Eh bien, salut tout le monde et bienvenue pour un nouvel épisode de Créature Lab. On se retrouve ici et ça va être le moment de commencer à passer à l'attaque. Puisque les militaires veulent qu'on les attaque, on va les attaquer. Donc on va leur donner ce qu'ils veulent. J'ai lu quelques petits trucs pour savoir comment on fait une créature plus puissante parce que je trouve que mes créatures manquent de pêche. De peps, de punch, de tout ce que vous voulez, de pêche, etc. Donc on va déjà commencer par améliorer mon cyborg. J'ai prévu de lui faire un nouveau bras. Potentiellement une nouvelle jambe aussi. On va commencer tout de suite par ça. Donc on a une créature qui est relativement puissante. Alors j'ai appris le truc des activateurs. Les activateurs, ça me cule blanche ou grise. Sachant que quand elles sont comme ça, c'est généralement c'est ce qui donne les créatures les plus puissantes. Quand elles sont comme ça, c'est un petit peu moins puissant. Donc on va tout de suite se mettre en quête pour celui-là. Commencer par ça. On est parti. Alors, et on va commencer par le rouge. Non, malheureusement, je n'en ai pas. Ça aurait été bien utile. Là. Le jeu galère parce que j'ai beaucoup d'ingrédients. C'est rien, c'est comme ça. Hop. Ensuite, il me faut. Je crois en avoir vu sur cette étagère. Celui-là. Juste vérifier que je ne me trompe pas, que j'ai pas encore un fail comme la dernière fois. Non, c'est bien ça qu'il me faut. Hop. Ensuite, il me faut de l'herbe douce. J'arrive à retenir les ingrédients là. Juste là. C'est parfait, on continue. Hop. On donne à manger le gène. D'ailleurs, je sais pas à quel moment c'était un ver de terre ce truc. Hein. C'est marqué ne pas ouvrir. Je veux bien le croire, j'ai pas vraiment envie de me faire bouffer. Alors, on continue. Il me faut ça. J'en ai de la bullette, j'en ai à chier. Voilà. On met. Alors on va se retrouver comme d'habitude pour une bonne demi ensemble, donc n'hésitez pas à vous mettre à l'aise, etc. À prendre quelque chose à boire, à manger. Faites comme d'habitude. On va se retrouver pour une bonne demi-heure à s'intoxiquer, comme diraient certaines personnes très haut placées de notre cher gouvernement. Et si vous vous demandez de quoi je parle, je pense que si vous suivez un peu l'activité du jeu vidéo, vous comprendrez très vite. Là, on donne à bouffer Eugène. Et je crois qu'il me reste que le blanc. Aïe. Les buzzers et d'aïe qu'ils appellent ça. Et ouais, j'en ai plus beaucoup. Et c'est un réactif très puissant. Le problème, c'est que je me suis attardé à récolter toujours les mêmes types d'ingrédients, que j'en ai négligé les autres. En tout cas, j'espère que ça posera pas trop de problèmes. On met en route le bousin. Trois doses, parfait. C'est ce que je voulais. Donc, on va mettre ici quelque chose pour se remplacer son bras droit. Hop. Alors, bras droit.
Qu'est-ce qu'on va bien pouvoir lui mettre notre bras comme ça, non? Tueur de chat, effectivement, ça lui serait utile. Alors ça, c'est pas mal, si... mais il faudrait une paire. Et malheureusement, je n'ai pas de... Il y a déjà un bras spécifique. Donc je pense qu'on va... Ou alors ça. Ouais. Ouais, les ennemis légion, on en rencontre encore assez, donc ouais. On va lui mettre une pince. Il n'y a pas besoin de la paire en plus. Bon, t'es sûr? Là. On a bien mis Cyborg. Là, il lui faut des jambes. Alors... Pas de capacité. Ça, j'ai déjà la grenouille. Ça, on a déjà aussi. Pourquoi pas, mais moitié cyborg, moitié mutant, moitié chèvre. En vrai, j'ai envie de dire let's go, hein. On va faire un cyborg chèvre. Comme ça. Pendant qu'on est là, qu'est-ce qu'on va faire, nous? On va potentiellement créer un autre mutant, j'ai envie de vous dire. Donc on va commencer par mettre ça de base. Qu'est-ce que j'ai comme corps intéressant? Il n'y a personne. J'en ai déjà un comme ça. Ce que je trouve dommage dans le jeu, c'est qu'il n'y ait pas plus de modèle de corps. Je trouve c'est assez dommage. Bon bah on va faire une Sarah Croft mutante. C'est parti. Hop. Ça, on va le mettre de côté. Ce sera pour de la fabrication. Qu'est-ce que je peux te mettre d'autre? Idéalement, quelque chose que j'ai en grande quantité. Non. Un peu de Jesse avec ça. Juste aller voir histoire d'être sûr que je me suis pas gouré. Non, elle l'a pas. C'est l'heure de créer. Il va nous falloir des mutants en quantité. Hein. Je pense qu'il va falloir commencer à réfléchir à. Sérieusement, envoyer beaucoup plus de mutants. Généralement, je les envoie par deux, par trois. Il y a déjà un mutagène. En tout cas, il est très bleu. Très brillant. Il n'a pas l'air clignoté. Effectivement, c'est un mutagène. Ce qui vaut le coup, j'espère. Attendez, il y a quelque chose que je voulais voir. Attends, il me semble qu'il y a... Non. Lumière. Donc oui, elle pourrait être... si on lui rajoute deux pinces, elle pourrait être redoutable contre les ennemis légers. Effectivement, c'est intéressant. Connu par type 60, le voilà. On va l'appeler Lara Croft, elle va être agile. Ah oui, mais le jeu est en... J'ai mis mon truc en QWERTY. C'est la merde. Hein?
Ça va, ça passe. Voilà, ce couplet, on va la transformer. Je pense qu'elle, on va lui mettre. Elle est bien là, hein. Non, elle n'est pas là. On va lui mettre deux pinces. Peut-être même en faire une série. C'est-à-dire commencer de la production en série limitant. Je veux pas ouvrir, je veux fermer. Hop. Initialiser. Clôture 11. Ça reste. C'est pas fou un hein, niveau dégâts, etc. Là. Ah merde, j'ai encore. Numéro 1, voilà. Alors, on va commencer à prendre son ADN. Parfait. Ensuite, il va falloir qu'on recrée son mutagène. Ensuite, le dernier, le réactif, ou l'activateur, je sais plus comment il l'appelle. Ce qu'il me faut, c'est encore du ça doit être encore un truc bleu. L'autre, ça doit être de la bullette, j'en ai à chier de ça. Ça m'en fallait. Dernier, j'ai eu de la chance. Voilà. Je l'appelais Lara Croft parce qu'elle me fait penser à Lara Croft avec son short. Combien roule le poussin? Pourquoi une seule dose? J'aimerais que tu m'expliques. Chercher, on va l'améliorer. On a déjà commencé par ça. Ce qu'il disait déjà, lumière. Amélioration. Pigmenteur. À distance. Insouciant. Évasif. Ça pourrait être intéressant. J'ai pas ce modèle-là, moi. On va lui mettre dans les poumons.
Là, qu'est-ce que tu vois? C'est pas fou, hein. C'est pas fou, c'est pas fou, c'est pas fou. J'ai vraiment l'impression que tu sers à rien. Je me demande vraiment si j'étais 1 000 euros, ça servait à rien ce que j'ai fait. Comme toi, les délires de. Encore d'autres. On va en faire une. Bon, elles sont pas, c'est pas folichon comme mutagène, mais bon, il est facile à faire. Il nous faut de la puissance, du nombre. C'est ça qu'il nous faut. Enfin, un régiment de Lara Croft. Ça va être drôle. Parce que c'est. Ça, c'est un mutagène vu la tête. Que j'ai plus vraiment. Intéressant. Je vais te mettre de côté, toi. Alors, qu'est-ce qu'il me faut? Ça me faut ça. Est-ce que tu peux me faire plusieurs doses cette fois au lieu de m'en faire qu'une seule et te foutre de ma gueule? Pas possible, ça. Hop. La bullette. J'avoue que le délire de réellement qu'est-ce qui influe sur la puissance d'attaque, etc. Je ne sais. C'est encore compliqué à savoir. Hein. Encore une seule dose, je comprends pas. Et je l'ai mise où déjà? Il y a quelqu'un dedans. Hein. Initialise. Et voilà. Je vais te mettre dans une chambre de stase, dans ce moment, je suis sûr de trop l'aimer. Ça, tu prends pas. Non, c'est compliqué les claviers en quartz. Numéro 2. C'est pareil. Hein. À part qu'elle est plus douée en furtivité, ça s'arrête là. Oui, forcément, vu que c'est une créature que j'ai conçue de manière évasive.
poser là-dessus. Dommage. Bah écoute, tu vas attendre bien sagement là-dedans. Qu'est-ce que je peux faire d'autre? Ouais, je pourrais encore en créer une troisième, hein, je veux dire. Non, hein. Quoique, non, on va pas abuser. Je crois que c'était un mutagène, ça. Je pense qu'on va peut-être passer les journées, attendre que les deux membres soient finis. Est-ce que j'ai pas déjà peut-être une commande pour des bois de griffes? Non, ça c'est sur un corps, je peux pas. Non. 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 Bras gauche à griffe. Bras gauche de raptor. Un peu compliqué là. J'ai pas envie de gaspiller pour un corps que je vais envoyer. Pince. Chaîne. Non. Pas vraiment envie de leur envoyer des... ça peut être fait. Voilà. Six jours en plus. Là. Plus qu'à s'occuper des deux autres, là. Alors, il me faut du nectarnum. Que je l'oublie pas. Merci, c'est celui-là ou c'est l'autre? Ah, c'est le vert. L'anis enneigé, par contre, il fait chier, hein, j'en ai plus. Non, pas ça. Non. On verra peut-être des choses intéressantes. Connu 63. Note. Alors c'est anis enneigé. Ah, c'est bien ça, il me reste plus qu'une. C'est chiant. Bon, on essaiera de mélanger ce qu'il me donnera, mais encore un peu dans les mélanges, etc. Qu'est-ce que je vais faire? Je le mets là. Et de l'optisine, je crois. Voilà. On va juste aller vérifier histoire que c'est bien ça. C'est bien ça. Alors, la connue, c'est 63 pour toi. Mais je... Mais il y en avait partout de cette merde. C'est bon, je peux mélanger. Faut un truc.
55 et 63. Ainsi que le bras. Putain. Cinq et lui c'est 63. Là, il est content. Deux substances et généralement c'est des mutagènes, donc ça fait deux mutants. Attends, ne serait-ce pas. Ah oui, c'est Homer. Parfait, on va pouvoir le recréer. J'ai l'impression que j'ai pas de chance au niveau des corps qui me filent. Il est vide. Et ouais, lui aussi il est vide. Bon bah écoute, on a du boulot pour toi. Je dois avoir du mutagène qui doit traîner pour toi aussi. Il lui manque un réactif. Je le mélange. Il suffit de le modifier. Je dois bien voir. Lui il fera l'affaire. Hein? Hein? Parfait. Détail. Voilà. On va le recréer, il va être là parmi nous. Est-ce qu'il est? Et bien là. Hop. Faut que je retienne la formule parce que je compte lui mettre deux bras de gouge lui. Hop. Parfait. Créature 13. Non, pas ça, ça. Oui, déjà un peu plus intéressant, le niveau santé. Là. Et lui, ce sera deux bras de gouge en plus. Donc, voyons voir, qu'est-ce que j'ai d'autre. Normalement, ils m'ont filé deux mutagènes en plus. Ah, je dis mutagènes. C'est général. Ouf, ça je coupe pas. Pareil, lui manque un actif. On va faire quelque chose. Ah, il y a plusieurs, on va voir si j'ai pas de l'autre. À mon avis, j'en ai plus beaucoup.
Effectivement. Comme je sais que... Ça, j'en ai chié. Mais bon, il sera moins puissant, mais tu vas voir. Hein. Ça se trouve, ce sera pas dégueu non plus. Hop. Faudra que je commence à faire le... Ouh, joli. Faire le... Le mutagène ultime aussi. Comment je vais pouvoir t'appeler, toi? Tu vas rester sur le côté en attendant que je trouve une utilité. Type. C'est quoi ces deux-là? C'est nouveau ça. Malheureusement pour recréer celui-là, ça va être tendu. Manque de Nice enneigé, je n'en ai plus. Je l'utilise beaucoup trop à chaque fois. De voir si on n'a pas un autre truc pour la le deuxième bras qui attend là au lieu qui sauter un jour. Alors on a... ça c'est pour le cyborg, c'est pour ça j'en droite ou gauche? La jambe droite. Il semble qu'ils veulent des jambes normaux là-haut, donc de côté. Comment ça, DNA compatible? Le jeu, tu vas me fatiguer au bout d'un moment avec tes conneries. Sérieusement, j'ai tout fait. Je vous jure, c'est rageant quand il fait ça. Comme si j'ai que ça à foutre de gaspiller des mutagènes. M'agace. Ouais, ça c'est pour Lara Croft. C'était quoi pour l'autre? Je sais même plus avec quoi il est censé aller. Putain, il me semblait bien avoir mis ça. Oh là là là, que c'est chiant. Va dans un bac de stas, toi. Qu'est-ce qu'il faut encore là, ça? Ça, leur histoire d'ADN, quand le jeu bug comme ça, c'est vraiment n'importe quoi, hein, j'annonce. À part faire gaspiller des trucs, c'est très chiant.
Heureusement que j'ai gardé un truc. Bon, on va aller le mettre sur truc, on va lui reprendre de l'ADN. Cette fois, on va s'assurer qu'il mette bien celui que je veux. Voilà. Juste pour être sûr. Il va pas en deux jours. On saute le jeu de la journée. Il est chiant. Plus ses ennemis deviennent très durs à battre, donc comment ça? Si jamais tu t'es emmêlé les pinceaux et que tu me l'as mis pour l'autre, je te jure que je vais m'énerver. Ça? Est-ce que je le sens venir à 10 km? Alors, il est compatible avec quoi, espèce de gros con? Attends, il y a peut-être un troisième. Je vous jure, hein, c'est mal foutu ce système. Sabot droit et pince droite. C'est lui enlever les deux. Attends, vous êtes bien témoin que j'ai regardé la vidéo, j'en suis sûr. J'ai mis ce qu'il fallait en tant qu'ADN. Va la terre, toi. Bon, au moins c'est pas perdu, j'ai envie de dire. Ça dans un coin. Ouais, bon. C'est un fail. Pourtant, j'avais bien mis, mais le jeu a enregistré le... J'ai du mal à comprendre le jeu des fois. Hein. Je vous avouerai... Bon, ça peut toujours être utile. Toi, viens là que je t'emmène ça, t'es l'air con sans bras droit. Quoi que t'auras bientôt le prochain. Pourtant, j'ai créé avec un mutagène différent du sien. Et il m'a pas emmerdé. D'habitude, il t'aurait dit que ouais, le mutagène n'était pas bon. Ou alors c'est un mode difficile, ça. J'avoue que j'ai du mal à comprendre le jeu, j'ai du mal à le suivre. Un joli couleur, lui. Passer une journée, voir si nouveau bras est prêt.
Normalement, il est fait pour mon cyborg. Là, on est bon. Cyborg est bien, on va dire. Quand lui, il a l'air énervé maintenant. Ouais, c'est peut-être devenu mon mutant plus fort, lui. Quand il est mien, il sera exprès pour les légers, lui. Ouais, ils sont devenus pas dégueux. Bon, il y a juste elle qui sert toujours à rien, mais bon. Mère qui est pas dégueulasse non plus. Bon bah écoutez, moi je vais m'arrêter ici, j'espère que l'épisode vous aura plu. Il est tard, je commence à fatiguer, ça doit être ça. Si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner, comme d'habitude. En tout cas, cet épisode, je sens que je vais appeler Melly Melo de bras et de jambes, là, parce que c'était le bordel. Ah, ça va. Bon, c'est un style, mais en vrai, il a l'air d'être plutôt énervé, lui. Si l'épisode vous a plu, comme je viens de le dire, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, vous abonner, vous partager, etc., etc. Vous connaissez la musique, hein. Et on va se retrouver très vite pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous, je vous fais des bisous, et à très vite pour une nouvelle vidéo. À très bientôt.